Alors que tous les yeux sont braqués sur le Qatar et la Coupe du Monde de football, la France démarre bien mal le mondial avec la blessure de Karim Benzema. Si le joueur français va manquer à ses coéquipiers, un autre international ne sera pas présent, Paul Pogba. Blessé et fragilisé par l'affaire le concernant, le joueur est donc absent. Ce dimanche 20 novembre 2022, sa maman a tenu à donner sa version au sujet de la terrible affaire qui tourmente sa famille. En effet, pour rappel, Paul Pogba accuse son frère Mathias de l'avoir fait chanter. Il révèle également avoir été séquestré par des amis d'enfance de la famille. De son côté, Mathias Pogba accuse son frère d'avoir utilisé un marabout pour stopper la carrière de Kylian Mbappé. Devant ces graves accusations, la mère des trois frangins a pris la parole. Très simplement, elle a confié, si est-il des rumeurs. Ça me paraît fou. La personne visée est toujours au top. Je n'y crois pas du tout. Concernant la séquestration de Paul Pogba, Yo Moriba confie ne pas avoir été mis au courant par son fils, il ne nous a pas dit, il l'a gardé pour lui pendant des mois. Personne n'était au courant. On a sûrement dû le menacer pour qu'il ne le dise pas, estime-t-elle. Ainsi, elle a bien du mal à comprendre lorsque des amis d'enfance de ses enfants entrent chez elle pour lui imposer d'appeler Paul Pogba afin qu'il leur verse de l'argent en échange de leur protection. Sans avoir peur, Yo Moriba leur demandera de sortir de chez elle. Si Mathias était présent, elle assure qu'il n'a pas fait pression sur elle. Yo Moriba se rappelle avoir toujours connu les amis d'enfance de ses enfants. Ils venaient chez moi, à Roissy-en-Brie. Si est-il ce qui m'a choqué. Pour moi, ce sont mes enfants. Point, je n'aurais jamais pu imaginer cela de toute ma vie, ça a été un choc, explique-t-elle. Mais le cauchemar va se poursuivre. En août 2022, Mathias Pogba publie des vidéos mystérieuses où il menace son frère de faire des révélations choc à son sujet. Pour la mère de famille, aucun doute, son fils a été obligé de faire ses vidéos, contraint par des menaces, « Mathias n'est pas comme ça, ce n'est pas le fils que je connais. Il était menacé, je peux le jurer », lance-t-elle. Avant de poursuivre, pour moi, ce sont deux victimes. Si est-il vraiment une fratrie soudée, Yo Moriba rappelle à Audrey Crespo Mara, coentré ses trois garçons, il n'y a jamais eu de jalousie. Si est-il vraiment une fratrie soudée. La mère de famille explique également qu'aucun de ses garçons n'a eu de lien avec le banditisme, je me suis sacrifié. Je me suis battu pour ça. Depuis toute cette affaire, Paul Pogba a demandé à ce que sa maman soit ultra protégée, de peur des représailles. Cette mère de famille aurait aimé que tout cela n'existe pas. Depuis des mois maintenant, ses enfants sont au cœur d'une polémique sordide, sur fond d'argent, de manipulation, menaces et mauvaises connaissances.